Ouais, j'ai couché dans le bois encore un matin, ben, hier soir. Donc là, j'ai décidé de venir tirer un peu. Le matin, il fait pas trop soleil, fait que ça va être incroyable. Je vais attirer le ravitaillement. Hey, salut! Ah, t'es là? Ah, je vais faire ta vaisselle. Oh, ouais. Tu finiras la vaisselle tantôt, ça presse pas. Ah, mais je vais en faire, j'ai rien que ça à faire. Ah, lui, c'est le fun, je l'ai amené pour faire un ménage là-dedans. Là. Faut que ça serve à de quoi des clones? Fait que c'est ça, aujourd'hui, je vais vous expliquer un paquet d'affaires, là. On va voir ça ensemble, là. Ce matin, j'ai décidé d'essayer mon Red Dot. C'est pas trop soleil. Fait que j'ai mis ma cible en métal. Je vais essayer différentes positions pour tirer juste pour le fun, voir si c'est plus précis. Je vais commencer de bout, puis je vais me mettre à genoux. Fait que, on va essayer ça. Mes beaux chars. Voici la grosse pellette en bas pour nous. Ok, je vais les croiser ça du milieu. Ah, je bouge. Je vais changer de sorte de poids. Ah, c'est là que je vais. Pas évident, c'est à peu près à 20 mètres. Pas facile. Va falloir que je me pratique. Ça va coûter cher de balles. Wow. Voici la grosse palette en bas. Fonctionne. Genou appuyé, main, ça dort. Ah, mais c'est pas facile. Waouh. Impressionnant. Là, je vais tirer avec la Haley. Elle va pas bien. C'est de la Haley Sport. Ça va pas bien dans ma carabine, mais c'est pour les passer. Je vais les tirer sur le gang en métal. C'est à peu près à 15 mètres. J'essaie ça dans la palette du bas. Bon, c'est la palette du haut. Bon, c'est la chaîne. Ah, ben c'est pas pire. 15 mètres, pas mauvais, à ce qu'a pu. Moustique. Pas facile. Tu vois, ça, celle-là, cette cartouche-là, elle a même pas. Elle a même pas parti. Celle-là non plus. C'est le fun, c'est qu'on peut tirer rapidement pour s'amuser. Cher de balle, mais c'est le fun. Quand on tire la 22 comme ça arrive qu'on tombe sur des mauvaises boîtes de munitions. J'en profite pendant le temps que je vais aller recharger pour vous expliquer que ça arrive parfois. Parfois, on tombe sur des boîtes de balles qui sont vieilles. Puis l'amorce dedans, elle démarre même pas la balle. Le clic se fait. Et la cartouche elle part pas. Fait que dans ce temps-là, c'est vraiment plate. Vous allez voir, je pense sur 10 tirs, il y en a 4 qui fonctionnent même pas. En plus, le Haley Sport que je me sers présentement, il faut que je la passe parce qu'elle est vraiment pas précise dans ma carabine. Aucune précision, ça tire tout croche. C'est impressionnant comment que ça va pas bien dans ma carabine à moi.
Ça peut bien aller dans d'autres sortes de carabines. Peut-être mon canon de 18 pouces, c'est trop court. Sur le Red Dot, j'utilisais un genre de cercle avec un point dedans. Là, je vais changer ça pour un petit point rouge pour voir la différence. Je suis environ à 15 mètres. J'ai rapproché la cible un peu. Là, je vais essayer juste le petit point rouge. Je vais en faire des tirs très très rapides juste pour voir comment ça marche. C'est la hélée, la balle qui va pas bien, mais. Ah, oui. Mal fonctionne. En plus, ça tire tout croche, en plus, ça part pas. Ça fait des bonnes balles. Éviter la hélice dans ma carabine. Bon, on va arrêter ça là. Trop de marée dans le nord.